Eh, salut, salut! Allez hop, aujourd'hui, on va moissonner un peu. On va aussi récupérer les affaires. Des affaires à récupérer au magasin. Hop, allez, hop, on va se prendre par là. Alors j'ai une fourche, j'ai quoi d'autre à récupérer? Un semoir si je me rappelle bien. Un semoir, un gros semoir maintenant. Et une fourche. Elle est grosse la fourche, hein. Ouais, elle fait pas petite, hein. Ouais. Grosse grosse fourche. Est-ce qu'on peut le prendre toi? Ouais. À passe, ouais. Tu tires un peu la gueule ou pas? Bon, ça va. Alors, un semoir. On mettra du maïs. Enfin. Ouais, du maïs. Ça au moins on pourra balancer l'âge la prochaine fois. Comme ça que l'ensilage je le revends et je m'achète une autre benne parce qu'il en manque une. La petite je la garderai pour le fumier mais celle-là il m'en faut une plus grosse. Hein. Et il faudrait aussi un tracteur plus tard. Parce que là j'ai qu'un tracteur, il m'en faudrait un autre. Heureusement que lui il a un crochet à l'arrière sinon. Ça serait pas facile. Hop, on va s'occuper. Alors qu'est-ce qu'ils ont besoin? C'est comme des vaches. Il faut de l'eau, ça c'est sûr. De la paille et de l'herbe. Ok. Déjà, on va mettre de l'eau déjà. L'herbe, je l'ai mis là, si je me rappelle bien. Ouais. La flotte. C'est ici. Elle sera vide. On va nettoyer les vaches. Attention Maurice, je passe. On peut sortir par où ici? Par là, non? J'ai peur que ça ferme d'un côté, non? Ouais. Ça risque de fermer le côté là. L'ouvrier a fini. Ah bon. Dommage qu'on peut pas curer ici là. Attention la vache. Hop, on va se prendre. Il en faut beaucoup de. Non, juste un botte, ça va suffire. Juste une botte, voilà. Magnifique. Voilà, ça doit suffire. Je ne mets pas dans la mélangeuse. Hein. Ça va bien plus vite, comme ça. Là. Ça tient pas, ça. D'accord. Ok, on le saura que les bottes ne tiennent pas là-dessus. Voilà. Hop, ça c'est bon, il faut deux fois. De la paille maintenant. On va poser ça là.
Hop, on va nettoyer ça pour l'instant. Attends, faire que je suis là. Pourquoi ça saute? Hop. Ça. Je mets ça là. Avec le reste. Le reste. Voilà. Hop, on va mettre ça dans le fumier. Voilà. Tac, sans pose ça là, ça risque rien. Ah, ça prend une fourche et combien de ballots? Un ballot, ça va suffire. Hop là. Voilà. Elle prend un ballot. Voilà, qui est par terre là. Là, on, ça tient. Oh. Il peut un peu m'engager un peu trop vite. Un truc qui est physique là, je sais pas c'est quoi. Hop. Voilà, hop, on fait le plein. Et voilà, c'est parfait. Alors, moi ça naze, t'en es où toi? Ah ouais, là il finit. Hein. Enfin, t'aurais fini un petit bout. Il te reste tout ça à faire. Alors, le colza, ça se vend bien ou pas? Ah, ça se vend bien, hein, 1300. Et c'est où ça? Ah, la place, c'est un peu loin. Ouais, c'est un peu loin. On va attaquer un peu par là, hein. Ouais, dommage que c'est un peu loin. Ouais. Alors, tac. On va aller chercher la charrue. La benne, elle. Je la mets là. Hop. Allez, on va chercher la charrue. Enfin, c'est pas la charrue, le cultivateur. Voilà.
ce moment, je suis en train de faire une. De préparer une petite série de des vieilles machines. Avec que des vieilles machines. Vieux tracteurs et moissonneuses. Ça peut être intéressant. Bon, il faut que je trouve la bonne map qui va avec. Une vieille map, je crois que je trouve. Pas très grosse, petite. Pas que je la trouve. Faut faire plein d'essence. Là, je me reste à 130 litres. On va mettre à 200. Allez, 201, c'est bon, ouais. On va pas chipoter. On va récupérer les eaux à la place. Heureusement que j'ai quand même un gros tracteur, hein. Sinon si j'avais un petit, mais... Genre, peut-être je ferais peut-être pas ce que je fais là. Hop là, bon. Ouais, il faut que je trouve une petite map. Soit je trouve une petite map ou soit je fais une très très grosse ferme. Mais je ne sais pas encore. On va travailler un peu dans ce sens là. On va faire un peu les détourages parce qu'ils sont tellement cons ces ouvriers que prennent pas tout. Ouais, donc là on mettra du maïs hein, en filet. Oui, ils prennent pas tout, ils prennent même pas. Hop. J'aurais dû faire un détourage avec la moissonneuse parce que là. Tac, ça c'est bon. Alors, qu'est-ce que j'ai besoin d'autre? J'ai la moissonneuse, enfin j'ai l'ensileuse déjà, c'est pas mal. J'ai une tronçonneuse, ça sert plus à grand chose. Ouais, cette benne elle est bien, mais je la garderai pour le fumier. Je m'achèterai une plus grosse. Voyons voir. Attends, la moissonneuse, c'est une petite, hein. Je sais pas encore d'être. Parce que moi j'ai celle-là. Peut-être m'acheter celle-là. Je sais pas où cela, elle fait quand même assez grosse. Le top, ça serait mettre des. Le top du top, ça serait mettre plein de bennes derrière. Un peu comme ces bennes-là, quoi. En plus, ce sont pas très chers. Si je m'achète deux, c'est cool. L'attacher une derrière l'autre.
Mais bon, je suis pas encore là. Hein. Tu commences d'où toi? D'accord, tu commences à l'envers. Ça commence déjà à faire n'importe quoi. Comment ça, faire ça déjà? Oh, la moissonneuse, il faudra aussi de l'essence. Il faudra que j'achète un cube à essence. Ouais. Ça me fait un peu chier d'acheter ça, quoi. Sinon, j'achète ça là. Et je revends l'autre cube à eau flotte. Elle coûte combien celle-là? Ah, c'est pas mode, c'est celle d'origine. 7000. On va la revendre. Acheter. Acheter une benne. Ça au moins elle fait tout, ça là, au moins. Ça elle fait tout. Là. Hop, on va se prendre pas en blanc parce qu'elle est pas jolie en blanc. On va se la prendre en bleu comme ça là. En blanc, elle est vraiment pas jolie. Hop. À quoi je vais chercher? Je vais chercher à commander et tout. On va faire avec le merlot. Ou sinon, et vu qu'il me reste un peu d'argent, elle fait le dizier, ça là aussi, hein. C'est cool. Donc, non, en fait, je vais acheter une cuve, vraiment une cuve à essence. Comme ça, hop. Ça sera vraiment pour l'essence. Et ça là, elle fera la flotte, elle fera lisier. Dommage qu'on peut pas en vendre le lait, mais. Elle fait des schistas et plus rien. Ouais, donc il me faut quand même le tracteur. Ah, elle est bientôt pleine. On va finir ça comme il faut. Ce qu'on dirait pas, mais il y en a quand même par terre là. Allez, hop. On va aller remplir la benne là-bas. On va aller remplir la benne, ouais. Je sais pas si je vais remplir entièrement, mais je pense pas non. Tac.
Hop. Lui, encore 3 passes, il a fini. Tech, ça. Ça, c'est propre, ok. Ouais, le Kudza, il n'y a pas plus près parce que là, pour 100 euros de près. Si là, c'est le plus près déjà. J'irai là parce que là, bah, en haut, là, c'est trop loin, ça me perd du temps. J'irai là pour 100 euros. Hein. Pas la mort. Dépêche-toi de finir, toi, s'il te plaît. Moissonneuse, elle. Petite question, comment ça coûte les moutons? Les moutons, comment ça coûte? Déjà, on les achète tout déjà. Là-bas, non. Combien ça coûte le mouton? 3000 ans hein? Oh. 4000? C'est autant cher? Ah ouais, mince. Je crois que c'est déjà 3000 hein? Et les vaches? Ah, je croyais que les moutons, moi, c'était 3 à 4 000. Pas plus que ça. Et là, c'est moins cher les vaches que les moutons. Que les moutons. What? Ah bon. Ah bon. Ah bon. Ah bon. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Ah ouais, c'est moins cher, Annie. Ok. Les moutons sont plus chers. Ok. Duck. Je ne le savais pas. On va faire un aller-retour. Là. On passera le semoir là-bas. Enfin, pas le semoir, le kitty là-bas. Ah ouais, bizarre ça. D'habitude c'est pas comme ça quoi. Ok, c'est les moutons les plus chers. Mais bon, c'est ce qui rapporte le plus hein. C'est ce qui rapporte le plus. Ouais. 6 000, presque 7 000 euros. Que ça rapporte. C'est vrai que ça rapporte. De ça là à attacher la veine parce que je pense qu'elle elle est bientôt pleine, enfin, j'espère. Ouais. On ira avant ça si j'ai pas dit bêtises, c'est en face. C'est là. Hop. Ah, moins 1 euro, moins 2 euros. Aïe.
Et où t'abuses là? On plie donc tout ça comme il faut. Bon. On va attendre au bout. On va attendre un petit peu au bout quand même. Ça sert à rien de la de suivre. Parfois, non, ça serait un peu mieux. Allez, ouvre ta bouche, s'il te plaît. Allez, c'est bon. Hop, on va aller vendre ça. Vendre du colza. Bon, c'est pas un truc que... Ouais, pour 100 euros, hein. C'est pas très grave. De toute façon, c'est beaucoup moins loin. Alors, combien ça nous rapporte tout ça? Trente mille. Ça va. Je suis content, ça rapporte pas mal en plus. Après ça, il faut pas rembourser le prêt, hein. Parce que si on rembourse le prêt, on passe en négatif. Parce que là, le prêt, il est à moins... Moins 900 et des boîtes. Alors le prêt, tu vois ce que je veux te dire. Hein. Tu peux attendre un peu. Est-ce qu'on peut attacher une remorque derrière? Ouais, ouais, faut voir. Comment il coûte ces remorques déjà? Remorque, c'était là. C'était les dernières. Je vais prendre laquelle? Sans ce pareil. Celle-là, j'aime bien. Mais j'ai pas assez de toute façon, donc... Ça, soit que les roues. Ça, c'est tout un, ça, c'est sûr. Je sais pas. Bref, il m'en faut encore une petite benne et je suis tranquille. Hein. Juste une moissonneuse. Hein. Là oui, toi, arrive quand j'arrive, je coupe la route. Fais-toi plaisir. Ça, c'est pas mon choix. On va le vider ça là, il retournera le revendre. Comme ça au moins, pour ça il me faut une autre benne, donc y a pas le choix. Et lui de toi s'il te plaît.
faut au moins 3. Ah, j'ai 2. 2, ça me suffira pas. Ouais. Fais l'aller-retour, s'il te plaît. Ok, 2, ça va combien déjà lundi? Tac. Oh, ça baisse vite, vite, hein. Il manque 3000 presque. Non, j'arrive pas assez. J'arrive pas assez. Non. Là, c'est le genre à faire, s'il te plaît. Alors. Ouais. Mais pour l'instant, j'ai pas grand-chose à faire. Hein. Non, là, c'est pour l'eau, ouais, ça c'est sûr. Mais bon, on a de l'eau gratuite, là, pas loin. C'est vrai que le mouton c'est cher quand même. Oh, on peut acheter le mouton, tiens, ça fera de la laine. Ouais. Ouais, on va acheter le mouton. Sans la paille, j'ai la flotte, j'ai. On va acheter une tête 9-8 moutons. 6 moutons. Acheter. Voilà, on a les moutons maintenant. Ouais, eux, ils vont produire. Il faut mon merlot. Il faut mon merlot. Il faut de l'herbe. L'herbe, je l'ai. Je pense que c'est plus simple comme ça. Parce que la laine, ça rapporte vraiment beaucoup. Là, c'est un truc de fou comme ça rapporte la laine. Voilà, ça c'est plein. Normalement, on est tranquille. Voilà. Tac. On va aller chercher le. On va aller chercher. Il me faut. Il me faut un plateau. Enfin, le plateau, j'en ai un. Ouais, j'ai ça. Bon, c'est ça. C'est pareil, il me faudra des. C'est cher ça. Hop. Bref, ouais, il me faudra des fourches. Allez. Je vais chercher ça et j'arrêterai là pour aujourd'hui. Comme ça, moi je ferai voir la prochaine fois. On fera de l'ensilage. Ce sera déjà un peu plus intéressant parce que. Voilà, l'ensilage c'est déjà un peu plus intéressant que ça quoi. Que moissonner et tout. Et là, on fera de l'ensilage. Oh, va doucement toi. On fera de l'ensilage, ça sera sympathique. Ah, il faut vraiment les fourches maintenant quoi. Les fourches sans fourches. Ah, la moissonneuse, enfin la tronçonneuse j'en ai pas besoin. Et ça je vais le revendre tant pis. Il faut vraiment les fourches obligatoires là. Ça fait chier celle-là. On va se prendre les ceux-là. C'est ceux que je prends d'habitude de toute façon. Oui. La merde derrière. Ah, que nom de Dieu. Ouais, c'est vraiment nul là. Hop, voilà. Voilà, j'ai tout ce qu'il faut maintenant. Là, on est tranquille. Voilà, moi, ça elle tombe en panne d'essence, c'est pas grave. Pas très grave, de toute façon.
pas la remplir, sinon après je ressortirai pas donc. Bon, celle-là, au moins on sait qu'elle fait tout. Elle fait tout. Ouais. Je laisse tranquille avec. Après, elle a pas de gyrophare à la place. C'est pas très grave. Mais... Bon, le merlot, lui, il a tout. Il a le godet, enfin les fourches à bottes et la palette. Donc, lui, c'est bon. La flotte, à la place. Ah, c'est à l'intérieur. C'est à l'intérieur. Lui, ça va prendre le temps, on a la gueule. Pas décharger. Bon, normalement là ça doit produire, ouais. C'est bon. Et bon, il y a quand même une palette, mais il lui manque les palettes, hein. Comme ça, un mouton pour ça produit bien, ça sent un mouton. Les vaches aussi, donc. Plus besoin. Voilà. Ouais, bon, ce soir les amis, je vais vous laisser là. Hein. Je vais aller finir ce champ là. Tout seul, hein, comme un grand. Acheter la benne peut-être, si je peux. Normalement, oui. Et puis, on fera dans le silage la prochaine fois. Allez, bon, sur ce, je vais vous laisser là. Allez, ciao, ciao.